Les modifications non autorisées des données de process ou du programme peuvent avoir un effet négatif énorme sur tout système d'automatisation. Il est très facile de se protéger, je vais vous montrer. Ce système d'automatisation comporte un S7-1500 avec quelques entrées-sorties, un ET200SP distribué et un pupitre Comfort Panel, le tout sur Profinet. La première étape est la configuration et la gestion des utilisateurs depuis le pupitre et la définition des niveaux de contrôle. Dans ce pupitre, sous gestion des utilisateurs, il y a deux groupes d'utilisateurs préétablis automatiquement, les administrateurs et les utilisateurs. Les administrateurs disposent de tous les niveaux de contrôle, alors que les utilisateurs sont limités à l'exploitation et à la surveillance. Bien, je vais établir deux nouveaux utilisateurs. Le premier est un administrateur, je l'appelle AD. Le mot de passe sera 123, je le confirme, 123, et je clique sur OK. Le deuxième utilisateur est l'opérateur, je l'appelle OP. Et le mot de passe est 456, je confirme aussi 456, puis OK. Sur le pupitre, le premier écran est un écran de maintenance. On y voit si les vannes sont ouvertes ou fermées, si la pompe et le mélangeur sont en marche, ainsi que le niveau dans la cuve. Il n'y a aucune fonctionnalité de commande. Pour commencer, je vais donner à l'opérateur le moyen d'activer ses pompes et mélangeurs. Je vais à l'écran du mélangeur, je sélectionne le bouton Mixer/Pump. Je clique à droite, je vais à Propriétés. Dans la section de sécurité, je choisis Exploiter et permettre la commande par l'opérateur. Je vais ensuite donner des droits administratifs sur la vanne 1, qui est ici. Par exemple, pouvoir changer une préparation ou non, c'est le niveau administratif. Je la sélectionne et dans l'onglet des propriétés de protection, je choisis Administration des utilisateurs. À présent, je sélectionne ce pupitre et je clique sur le bouton de téléchargement. Cela compile les modifications que je viens d'effectuer. Ces changements sont l'ajout de l'administration des utilisateurs à ces deux boutons. Je remplace tout, je clique sur « Charger » et la nouvelle configuration avec l'administration des utilisateurs est alors chargée, comme on le voit ici. Il va se produire une réactualisation dans quelques secondes. Voilà. Ça y est, l'administration des utilisateurs est terminée. À quoi cela sert-il ? Voici l'écran de maintenance. Comme je l'ai dit, on peut voir si les vannes sont ouvertes ou fermées, mais pas ce qui circule à travers. J'appuie sur le bouton Mixer Pump, puis sur le nom d'utilisateur, je tape OP, puis le mot de passe qui est 456, j'appuie sur OK. Maintenant, j'y retourne et je peux par exemple mettre la pompe en marche. On voit que le niveau augmente et je peux même mettre le mélangeur en marche. Dans l'écran de maintenance, on voit que tout est entièrement fonctionnel en termes de maintenance. Et pour changer une préparation, je reviens à la vanne 1, cette fois l'utilisateur est AD, qui est défini en tant qu'administrateur. Et le mot de passe, 1, 2, 3, puis OK. Dans l'écran de la vanne, on voit les boutons plus et moins qui commandent la position de la vanne. Je peux donc la manipuler. Voilà les questions de la gestion des utilisateurs du pupitre opérateur dans notre architecture d'automatisation standard. Qui a le droit de faire quoi? Qu'y a-t-il de nouveau? Le 1500 comporte un afficheur en face avant et il est possible de changer son adresse IP. Est-ce qu'elle peut être verrouillée? Bien sûr, je vais vous montrer comment. Dans la CPU principale, je sélectionne l'écran de configuration des appareils, puis je sélectionne la CPU, je clique à droite et je vais aux propriétés. Puis dans la section écran où je coche l'activation de la protection de l'écran. Le mot de passe sera 123, je le saisis deux fois. Je sélectionne de nouveau la CPU et je clique sur le bouton « Charger dans l'appareil ». Ces changements sont alors compilés, à savoir l'ajout du mot de passe pour cet affichage. La compilation est terminée, je clique sur « Arrêter tout » puis sur « Charger ». Le système va en mode d'arrêt, il charge ce contrôleur, puis je clique sur « Terminer ». À présent, il redémarre. Bien. Peut-on en fait changer cette adresse IP? Je vais dans la configuration des paramètres et j'appuie sur OK. Je vais aux adresses et je descends à l'adresse IP. Une fois que le petit crayon s'affiche, je peux la modifier. J'appuie de nouveau sur OK, voilà le mot de passe. J'appuie sur OK, puis j'entre 1, 2, 3 et je clique une dernière fois sur OK. Le curseur est maintenant sur le 1. Je peux donc changer cette adresse IP. Pour reverrouiller, il suffit de sortir en appuyant sur échappement. Et dans l'écran de paramètres normal, j'ai la possibilité de verrouiller l'affichage. Je clique sur OK et il est à nouveau protégé par un mot de passe. Et qu'en est-il du contrôleur et de son programme? Bien, je peux faire pareil, je sélectionne la CPU principale, je vais dans les propriétés et tout en bas, je clique sur Protection. On y trouve les trois niveaux d'accès habituels, à savoir accès complet, accès en lecture et accès IHM. Un nouveau niveau est aujourd'hui disponible, à savoir pas d'accès, au niveau 4. Avant d'en parler, je vais cliquer sur l'accès au pupitre opérateur et descendre jusqu'au mécanisme de connexion. On voit que les communications GET-INPUT, depuis un serveur OPC ou un système SCADA ou de contrôleur à contrôleur, sont toujours activées si j'ai accès au pupitre opérateur. Mais avec la protection de niveau 4, ces communications GET et PUT depuis un OPC sont coupées. Les seuls moyens de communication seraient alors un T-SEND, T-RECEIVE de contrôleur à contrôleur, ou encore un I-Device sur le Profinet, qui se font tous deux par connexion sécurisée. Bien, je souhaite un niveau 4 pour ce contrôleur. Je saisis ce mot de passe, c'est admin, il faut le taper 2 fois. Je sélectionne la CPU et je clique sur le bouton de téléchargement. Cela compile la modification que j'ai apportée au programme. Une fois la compilation terminée, je clique sur « Arrêter tout », puis sur « Charger ». On doit le voir aller en mode arrêt. Ça y est, je clique sur « Terminer » et il redémarre. On voit maintenant un petit cadenas à l'écran pour montrer que ce contrôleur est verrouillé. Mais je conserve un contrôle total depuis le pupitre parce que j'ai une connexion existante. C'est au rétablissement de la connexion que cela prend effet. Bien. Je vais arrêter le runtime, c'est le moyen le plus facile. Une fois que le runtime est complètement arrêté, je peux le redémarrer. Il essaye alors de se reconnecter à une CPU présentant une protection de niveau 4. Mais vous voyez tout de suite que ce champ de variables est assuré. Les pompes n'indiquent pas si elles sont en marche et le curseur est sans effet sur le niveau. Le système est totalement fonctionnel, mais le pupitre opérateur ne voit pas ce que voit le contrôleur. Il ne peut ni lire ni écrire. Pour résoudre cela et fournir une connexion directe à ce contrôleur, je vais aux connexions, j'entre le mot de passe de la protection d'accès, c'est admin. Je sélectionne le pupitre opérateur et je clique sur le bouton de téléchargement. Le système compile alors le fait qu'il y a une nouvelle protection de niveau 4 du contrôleur au pupitre opérateur. La compilation est terminée, je clique sur « Remplacer tout » puis sur « Charger ». Cela lance le chargement des écrans d'origine de l'administration des utilisateurs et de la nouvelle connexion sécurisée entre le contrôleur 1500 et le pupitre Comfort Panel, afin que seuls ces deux puissent communiquer l'un avec l'autre. Le transfert est presque terminé, l'écran se rafraîchit et on peut voir l'état des vannes et même les niveaux. Je peux activer cette vanne et si je remplace le curseur, on voit que le niveau réel change. Cela veut dire que j'ai une connexion sécurisée entre ce contrôleur et ce pupitre opérateur et que seuls ces deux peuvent être contrôlés et communiquer entre eux. Et j'ai pu faire tout ça en quelques minutes seulement. C'est ça, l'ingénierie efficace.